Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes bien sûr le lundi, et bien sûr 17 août 2020. Votre émission qui vous informe sur la maladie à coronavirus, c'est l'heure, c'est le moment. Et notre invité du jour, Dr Tilalou Tagba Pelli, elle est bien sûr médecin de santé publique avec elle. Nous allons passer au crible ce thème. Covid-19, augmentation des cas, faut-il durcir les mesures de restriction? Bonsoir, docteur, et merci d'honorer notre plateau. Bonsoir, monsieur Mathieu. Alors, depuis près d'un mois, bientôt, les chiffres grimpent à petit feu. On est passé de 5 à 10, 10, 15, 15, 20. Et au cours d'une semaine, on a enregistré jusqu'à 97, si j'ai bonne mémoire, de cas de contaminés à la maladie à coronavirus. Justement, une question demeure. Faut-il revoir les mesures restrictives ou que faut-il faire concrètement pour mieux juguler cette crise sanitaire que tous les pays traversent depuis un moment, en particulier le Togo? Depuis mars 2020, depuis le premier cas, le cas index, le 6, oui, sous le leadership du président de la République, et par rapport au constat, disons, au rapport scientifique, le comité scientifique aussi a été mis en place. Et le gouvernement a pris des dispositions pour contenir la propagation de la maladie. Mais force est de constater qu'au fil du temps, au lieu que les cas régressent, au jour le jour, comme vous l'avez dit, les cas ne font qu'augmenter. Effectivement, le gouvernement a, le 9 juin, levé, allégé les mesures barrières, disons. Allégé les mesures restrictives. Les mesures restrictives, oui. Notamment la levée totale du couvre-feu. Nous avons la levée du bouclage de certaines villes. Et au même moment, il a rendu obligatoire le port de masques. Mais force est de constater que l'application reste difficile. L'application du port de masque, certaines mesures sont mal respectées. Vous prenez par rapport à la distanciation sociale. Lorsque vous faites un tour dans la ville, ce n'est pas le cas, je n'ai plus le cas. Les uns et les autres ne respectent plus. On dirait que le fait d'alléger les ces mesures restrictives, cela ne veut pas dire que la maladie est finie. Le virus continue pas à circuler. Le virus circule. Nous constatons aussi notamment que le dispositif de lavage de mains existe, mais sur 5 personnes qui rentrent dans une boutique, par exemple, nous voyons à peine 2 se prêtent au jeu. Oui. Et quant au port de masque obligatoire, il a fallu que les forces antipandémiques FOSAP restent à côté pour faire respecter. Et il y a même eu des amendes. On a obligé les gens à payer des amendes s'ils ne portent pas ces masques-là. La statistique montre globalement les cas importés de COVID-19 sont inférieurs aux cas locaux. Cela serait dû probablement au non-respect de ces mesures barrières. Parce que quand vous voyez les résultats au jour le jour, les cas confirmés sont beaucoup plus de cas contacts. Et de cas contacts que des voyageurs. Parce qu'il y en a qui ont tendance à dire que c'est
c'est le fait de, d'ouvrir les frontières aériennes. Et alléger aussi les déplacements interrégionaux. Oui, oui. On a l'impression que la population est fatiguée de ces mesures restrictives. Nous ne devons pas oublier que il y a eu des avancées par rapport au virus. Entre-temps, c'était dit que le virus ne circule pas dans l'air. Récemment, les scientifiques ont découvert que il y a des particules légères qui restent suspendues dans l'air et qu'on peut avoir la transmission de la maladie en respirant de l'air. Ce faisant, globalement, je dirais que c'est le non-respect des mesures restrictives qui a fait, d'une part, que les cas augmentent dans la communauté. Globalement. Alors, quand on parle bien sûr de ce point, le non-respect de ces mesures restrictives, vous l'avez eu à le dire il y a un instant, que les gens semblent être un peu fatigués, bien sûr, par rapport au respect des gestes barrières. Qu'il faut-il faire justement? Parce que vous nous conseillez dans le même temps d'apprendre à vivre avec la maladie. Et c'est un bout de phrase qui est sorti il y a plus de 2-3 mois déjà, sur toutes les lèvres. Oui. On nous dit il faut apprendre à vivre avec la maladie. Et quand on apprend à vivre avec la maladie, tout est possible. Hein? Le chiffre semble peut-être grimper par moment et stabiliser par moment. Qu'il faut-il justement faire pour mieux maîtriser la situation? Quand on sait que dans la foulée, à part ces points-là que vous avez eu à énumérer, d'aucuns pointent aussi l'ouverture des écoles, des lieux de culte et aussi le débit des boissons. Effectivement, nous savons quand est-ce la maladie a commencé, mais nous ne savons pas quand est-ce ça va se terminer. C'est pour cela qu'on dit que nous devons apprendre à vivre avec. Et si on doit apprendre à vivre avec, nous ne devons pas oublier le port obligatoire de masque et le respect de la distanciation sociale, ainsi que le lavage des mains. C'est ainsi que nous pourrions limiter, disons, contenir cette pandémie. Il est bien vrai que lorsque nous ne pouvons pas continuer à vivre cloîtré comme ça, en confinement, toujours là, je pense que ça ne peut pas aller. Si le gouvernement a pris sur lui d'alléger certaines mesures, notamment l'ouverture des églises, de certaines églises, mais en principe, c'est certaines églises que le gouvernement a permis d'ouvrir. Mais ce qu'on constate, c'est que toutes les églises, d'une manière ou d'une autre, célèbrent des messes. Et on n'arrive pas à vraiment les gérer. Ils sont plus nombreux. Officiellement, ceux que le gouvernement a permis de célébrer les messes, si vous faites un tour dans la ville, vous verrez un dimanche, vous verrez qu'il y en a plus. Avec les églises, enfin, le catholicisme romain, avec nos frères musulmans, les assemblées des dieux, Pentecôte, et puis les protestants, c'est encore gérable. Hein? Oui. Mais avec les églises dites éveillées, c'est un peu difficile. Ils essayent de respecter la distanciation, mais ce n'est pas tout le monde qui porte les masques. Ce n'est pas tout le monde qui porte les masques. Ce que je crains aussi, c'est la rentrée scolaire.
Je ne sais pas comment cela va-t-il se faire. Je pense que les autorités de l'éducation sont en train d'y réfléchir pour voir comment essayer d'adapter les curricula de formation, et, étant donné l'effectif dans nos classes, nos conditions particulières d'études. Ils sont en train d'y réfléchir pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que... dans tous les cas, nous ne pouvons pas... Nous devons continuer par vivre. Et s'il faut continuer par vivre, nous devons respecter les mesures barrières parce que nous, les jeunes, disons, les jeunes personnes sont la plupart des porteurs sains. Ils transportent le virus circule, mais s'ils ne prennent pas les dispositions, tout l'alentour va être contaminé et il y aura beaucoup plus de décès. Donc, nous devons vraiment... Alors, les cas asymptomatiques, vous n'arrivez pas toujours à mieux cerner, enfin, ce cocon de la chose. Depuis l'avènement de cette maladie, on ne fait que parler de ces oui. cas asymptomatiques-là qui sont en nombre élevé et puis aucune solution n'est trouvée jusqu'à ce jour. La meilleure manière, c'était de pouvoir dépister tout le monde. Mais ce ne sera pas évident, c'est pas évident et ce n'est pas possible aussi. Vu, disons, le coût élevé des réactifs et tout ce que ça entraîne tout autour, c'est ce. Peut-être que le dépistage des groupes cibles est envisageable. Et je peux prendre les élèves ou bien les enseignants. On peut quand même, peut-être qu'à la longue, les autorités vont réfléchir dans ce sens pour voir ce qui est faisable, mais pas en grand groupe. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que le numéro 111 n'est plus tellement utilisé. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Bon, je pense les gens en ont marre ou bien... Quand quelqu'un ne sent pas des signes, il n'a pas de symptômes, donc il se dit qu'il est sain. Mais pourtant, on l'a précisé, tu peux être sain et être porteur du virus. Il y a aussi le fait aussi que les gens ont peur de la prise en charge. Pourquoi avoir peur de la prise en charge? Avoir peur d'être mis à l'écart, isolé, la stigmatisation. Donc, ils préfèrent garder, mais ne pas se faire dépister. Mais la plus, certaines personnes viennent se faire dépister, non? Pas parce que ils ont un symptôme, mais parce qu'ils se disent qu'ils sont des personnes à risque. Et ils voient tout autour d'eux, ils se disent que bon, il y en a qui ne respectent pas les mesures barrières. Donc peut-être que sans le savoir, il peut arriver qu'on les dépiste positif aussi. Donc je pense que à chaque niveau, nous devons essayer de respecter les mesures barrières afin de nous protéger nous-mêmes et protéger notre entourage. Qu'en est-il bien sûr des bars? Parce que ça fait débat depuis quelques jours avec la dernière rencontre de la cellule. Enfin, de la Commission nationale de la gestion de la riposte COVID-19 la fois dernière, au cours de ce point de presse hebdomadaire qui est animé par le médecin colonel Djibril, on a su à mentionner que l'autre point maintenant où le virus circule, voilà, à flot, c'est les débits de boissons. On a vu aussi dans certaines mairies au Togo, des dispositions ont été prises pour fermer certains bars, ça et là, afin de mieux contrôler peut-être la transmission ou bien la contamination. Il va falloir que
une prise de conscience individuelle et collective. Si chacun se dit, prend conscience que le virus est réel, je pense que c'est là où le problème se situe. Jusqu'à présent, beaucoup de gens pensent que ce n'est pas réel. Donc, l'ouverture des bars ne pose pas en soi un problème. Voilà. Le vrai problème, c'est comment on s'y comporte. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas prendre quand même de la bonne bière avec du masque, tout ça là? Ah, bien sûr. Cependant, on peut prendre des dispositions pour ne pas... afin que le bar ne soit pas plein. Essayer de mettre des gens, deux personnes, pas plus de deux personnes ou bien ensemble. Et puis, bon, disons. Mais quand la demande est forte, vous pensez que. Ah oui, si ça c'est ça. Peut être respecté aussi. Effectivement, on a besoin de vivre. C'est ce que d'autres diraient, on a besoin de vivre, on a besoin de se faire de l'argent, mais on ne va pas se faire de l'argent sous le dos des morts. Il faut qu'on soit en bonne santé pour pouvoir se faire de l'argent. Donc, dans tout le monde entier, chacun prend ses dispositions pour vraiment essayer de ne pas admettre beaucoup de gens dans les bars. Peut-être ne pas permettre que les gens durent aussi pendant longtemps. Je parle de prise de conscience individuelle et collective. Lorsque vous sortez, est-ce que vous êtes obligé de sortir en ce moment de pandémie de COVID pour rester dans un bar et boire? On risque aussi de mourir peut-être de soucis, hein, parce qu'il y a aussi le stress qui tue, hein, à petit feu. Il suffit juste peut-être de voir un malade au centre de prise en charge de référence à Kégué. Oui. Et après avoir passé peut-être 14 jours ou bien 21 jours, c'est comme s'il a été redressé dans un camp de... Pas parce qu'on lui a fait quelque chose d'anormal là-bas, mais... imaginez pour celui-là qui... Quand il sort, comment ce sera son comportement? En principe, il doit changer de comportement. Les gens, malgré la présence de cette maladie-là, on se dit, il faut vivre avec. Il faut laisser les soucis de côté. C'est vrai, de temps en temps. De lundi au vendredi ou au samedi, pour nous qui sommes, bien sûr, là tous les jours pratiquement de la semaine, on se dit, bon, peut-être à la sortie... un crochet avant d'aller à la maison parce que la vie semble être monotone. Il faut choisir un bon cadre et il ne faut pas être à plus de... Peut-être pour certains, c'est encore faisable, mais le week-end, il suffit peut-être aussi de faire un tour dans certains grands coins de Lomé. Hein. Oui. Déjà à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on se demande réellement si la maladie circule. C'est ça, effectivement. Je ne sais pas si les gens prennent ça comme c'est... Bon, ils se disent que bon, tant mieux, moi je vais vivre. Si la maladie arrive, bon, c'est tant mieux, mais il faut voir lorsqu'on déclare quelqu'un qu'il est positif, quelle est sa réaction. On panique. Donc, il va falloir qu'on essaye de... faire de notre mieux pour pouvoir vraiment respecter les... Sinon, je pense qu'au fur et à mesure, par rapport à l'évolution des cas, le gouvernement sera obligé, au cas par cas, de gérer. Au cas par cas de gérer, oui. L'état d'urgence qui était annoncé encore pour 45 jours... on n'a pas encore eu une sortie officielle des premiers dirigeants qui gèrent cette maladie dans le pays. Mais normalement, déjà le 15 CS, si je ne me trompe, ça devait prendre fin. Maintenant, si l'état d'urgence aussi, on décrète la fin de cet état d'urgence. Vous voyez encore, il y aura aussi un peu de laisser aller effectivement. Que faut-il faire justement? Faut-il faire ramener? D'aucuns disent que c'est mieux qu'on ramène couvre-feu, peut-être à partir de 22h à 4h ou bien de 23h à 5h ou bien à 4h30. Il y a plein de trucs qu'on lit sur des réseaux sociaux, ça et là. Que faut-il faire justement?
Que faut-il faire? Je pense que nous, en tant que techniciens, notre souhait, c'est que cette maladie soit, disons, contenue. Cette maladie soit contenue. Et étant donné que nous sommes, même si le gouvernement proclamait la fin de l'urgence sanitaire, la maladie est là. Le virus circule et nous devons continuer par mener des actions dans le cadre de la santé publique pour pouvoir contenir la maladie. Et donc, ils vont voir dans quelle mesure et comment faire pour, au cas par cas, gérer s'il y a des nouveaux foyers qui se déclaraient, comment contenir. Sinon, la commission au niveau du ministère de la Santé, le comité national travaille toujours. Il tient à peu près 3 réunions hebdomadaires et ils en discutent au fur et à mesure. Je pense que le gouvernement a pied d'œuvre aussi pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir permettre au ministère de la Santé et à ses partenaires de pouvoir continuer la lutte contre cette pandémie. Quelle que soit la décision qui sera prise, je pense que la maladie, elle est là. Nous devons faire avec et nous devons vivre avec, comme vous l'avez dit tout tantôt. Justement, vous l'avez eu à souligner le développement de votre parole quand vous étiez là il y a quelques minutes dans vos propos. Vous avez parlé bien sûr de cette ouverture des frontières aériennes qui est bien sûr l'argument pour certains qui disent que les chiffres sont en train d'augmenter à petit feu. Et dans le même temps, on tend peu à peu, si on le veut ou pas, on ne peut pas vivre en autarcie non plus, parce qu'il faut faire aussi fonctionner l'État, l'économie doit bouger, on doit collecter les impôts aussi pour faire tourner l'économie dans tout son ensemble. Oui. On va ouvrir les frontières terrestres. Et c'est toujours... un flou qui entoure, hein? On ne sait pas quand est-ce qu'il faut ouvrir ces frontières-là, qu'il faut-il faire, la coordination sous-régionale en matière de cette réponse-là, comment ça va être fait concrètement. Justement, où est-ce qu'on en est dans cette lutte-là, sur le plan régional? Sur le plan régional, les discussions sont en cours, ce qui est sûr, tôt ou tard, les frontières terrestres seront ouvertes. Il vaut mieux ouvrir ces frontières. Parce que ça donne lieu à une autre forme de... Je ne sais pas comment l'expliquer. On a tellement des frontières, comme nos frontières détournées sont aujourd'hui. Et les gens, quand même qu'on dit que l'on essaie de dire au jour le jour que les frontières sont fermées, les gens ont toujours leur voie pour aller peut-être dans le Bénin ou dans le Ghana ou dans le Burkina. On enregistre les gens au jour le jour. J'ai vu un monsieur la fois dernière qui me dit qu'il est venu de la Côte d'Ivoire. Comment est-il venu? Il est venu par quel... par vol, il m'a dit non. Par voie terrestre. Il a fait comment entre la Côte d'Ivoire et le Ghana? Il dit, laisse tomber, mon frère. Il dit, entre le Togo et le Ghana, comment ça s'est passé? Il dit, ah, laisse tomber. Il ne faut même pas chercher à comprendre. C'est mieux comme ça. Mais comme on a ouvert les frontières aériennes et les dispositions ont été prises, pour les voyageurs, pour l'enregistrement, les voyageurs, tout voyageur doit s'enregistrer sur un site et il est dépisté dès son arrivée. Si. Je pense que c'est la même chose qu'ils vont faire pour les frontières terrestres. Il vaut mieux, lorsque tu as deux portes, c'est-à-dire tu as une porte grande ouverte, laquelle tu vas passer? Tu vas passer par la grande porte au lieu de passer par l'autre. Petite porte. La petite porte. Donc, si on laisse les gens passer par la grande porte, on va mieux gérer les personnes, le flux, disons. Les personnes et on fait comme au niveau... Peut-être que les dispositifs seront plus lourds
pour pouvoir gérer, mais c'est la meilleure manière de pouvoir contenir cette pandémie-là. Parce que ça donne lieu aussi à un autre, je sais pas, à une autre forme hein, de commerce ou bien de passage inter-État. Oui. Où je discutais avec une commerçante parce que je menais une petite enquête là entre-temps pour mieux comprendre comment ça se fait passer. Il y a des gens qui me disent qu'ils vont très souvent au Goma, comment ça se passe. Est-ce que c'est au niveau d'Aplaou, d'Atikoumé ici, de Nouépé ou Karouma de Palimé? Et après, la discussion m'a dit, mais c'est des fois en complicité avec certaines forces, des éléments de force de l'ordre qui sont au niveau de ces frontières-là. Et ça devient encore un autre point de gagne-pain où c'est un grand réseau qui est établi. Et les maisons qui sont érigées tout au long de ces frontières-là aussi servent aussi des centres de rétention pour ces personnes-là. Quand on sait que la FOSAP a dépêché une équipe pour faire le contrôle tout au long de ces frontières-là, c'est les maisons-là qui hébergent des fois. Et puis, quelques minutes après, et puis on dit, allez, ça passe. Et puis, les dames, les bonnes dames et les messieurs qui vont de l'autre côté, que ce soit du côté du Bénin ou du Ghana et tout ça là, et tout circule. Mais en principe, si les frontières terrestres ont été fermées, les frontières n'ont pas été fermées pour les marchandises, mais les marchandises devaient quand même circuler. Et une marchandise ne peut pas circuler sans disons, le propriétaire. Le propriétaire qui a passé la commande, tout ça là. En principe, je pense, nous, comme nous sommes toujours en Afrique, il faut savoir interpréter les dispositions qui ont été prises. Souvent, on a l'impression que toutes les frontières sont fermées. En principe, non. On nous a dit quand même... Oui, les frontières sont fermées et les marchandises peuvent venir. Ça et là, il y a un contrôle qui est fait également dans ce sens-là. Mais quand on enregistre au jour le jour des gens qui font des va-et-vient dans tous les sens, est-ce qu'on est vraiment à l'abri? Est-ce que quelque part les communautés ou bien la population riveraine de ces frontières-là ne sont pas complices et que font justement les autorités locales? Je veux parler bien sûr des CDQ, des CDV, des maires et autres là. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Parce que le Togo dispose de plusieurs frontières aujourd'hui, à part celle officielle. Au niveau d'Aplaou jusqu'au nord du pays, c'est autre chose. Jusqu'au nord du pays. Avec le Bénin, c'est autre chose. Il y a des passages qui se créent en tout temps, au jour le jour. J'ai discuté avec quelqu'un la fois passée qui était venu dernièrement. Il m'a dit, mais Dagbanakin dans le Bénin, c'est facile. Même à Mouépé à côté. Mouépé, c'est facile que de laisser tomber mon frère. Je dis, mais finalement, vous allez nous contaminer tous dans le pays. Vous ne pensez pas qu'il faut faire autrement les choses? C'est là où la personne me dit qu'elle est consciente de la situation maintenant. C'est peut-être revoir la sensibilisation aussi à ces différents points. Oui. On est en train de voir, revoir la sensibilisation. Je pense que l'autorité aussi est en train de voir quelle est la. Il vaut mieux ouvrir les frontières et mettre toutes les dispositions en place. Parce que le commerçant, en passant par les chemins détournés, paye cher. C'est ce qui fait que la marchandise, lorsqu'elle arrive aussi au Togo aussi, elle est revendue plus cher. Plus cher. Donc, la meilleure manière d'alléger certaines choses, c'est de rouvrir les frontières pour empêcher que nos populations passent par d'autres voies. Parce que dans le Togo, et augmenter le risque ouais. de la contamination. Sinon, les autorités locales, je vais parler des CDQ, des leaders religieux, tous ont été formés, ils savent ce que c'est. Aujourd'hui, personne ne peut me dire qu'ils ne sont pas informés ou bien formés. Mais à cause des petits gagne-pains, on va laisser passer une personne. Est-ce qu'ils gagnent vraiment? Bon, peut-être, oui, mais c'est une façon aussi d'aider aussi. Hein, peut-être, puisque l'Africain demeure toujours sociable et puis, voilà, oui. Il a toujours eu pitié. Il faut la sensibilisation. Il faut qu'on les sensibilise aussi. Au même moment où l'État va prendre des dispositions pour réouvrir les frontières terrestres, la sensibilisation doit continuer à tous les niveaux. Parce qu'avec
ce qu'on a assisté à ces derniers moments, parce que c'est toute une enquête. Hein. On est en train de voir, peut-être aller voir le général Yark pour lui en parler, que, ah, Excellence, le feu est à l'orange, il faut alerter vite des éléments pour qu'on essaie de voir clair dans ce qui se passe. Parce que je me dis, s'il faut payer 2000 francs à un agent, je ne sais même pas si c'est un agent de force vraiment, mais c'est quelqu'un qui s'est payé pour un agent. Parce que j'ai eu à interviewer 2, 3, voire 4 personnes. Parce que je causais comme un truc là, un simple commerçant aussi, tout ça là. Et comme c'est le boulot qui nous le demande des fois, on est obligé de mener ses enquêtes. Et on me disait qu'il faut payer 2000 francs dans le Togo, 2000 francs dans le Ghana et 4000 francs. Ah, imaginez qu'on a 1000 personnes, 1500 personnes ça qui passent le jour. C'est une perte d'abord pour l'économie, pour les trésors. Oui. On peut quand même payer ces petits sous-là au niveau des frontières normales et renflouer les caisses de l'État, peut-être pour supporter certaines charges, même refinancer même la prise en charge de cette maladie-là. Le problème, c'est ceux qui font... Bon, des va-et-vient chaque jour. Ah ben oui, je veux faire de business, c'est normal. Maintenant, il faut qu'on essaie de créer aussi un cadre plus ou moins. Nous avons pensé à ça, nous l'avons discuté en réunion régionale avec les collègues de Ghana pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir gérer cette population qui est obligée de se déplacer d'un pays, disons, du Togo vers le Ghana et qui le font chaque jour dans la journée. Et je pense que c'est la concertation avec les pays voisins. C'est la sensibilisation aussi qui peut nous amener à... Et la prise de conscience individuelle et collective qui peut nous amener vraiment à contenir cette maladie. On ne refuse pas, en principe, le gouvernement n'a pas refusé aux gens de circuler comme ça. Seulement, il faut... Lorsque le gouvernement, disons, constatera que chacun essaie de respecter tant bien que mal les mesures barrières, il y a des mesures qui seront beaucoup plus allégées. C'est parce que nous ne respectons pas ces mesures barrières et au même moment, les cas augmentent. Donc, or, présentement, nous n'avons voilà que... Voilà aussi l'état d'urgence aussi qui est en train de qui finir. Est en train de finir. Nous n'avons que ces mesures préventives pour pouvoir contenir cette maladie. Jusqu'à présent, bon, des efforts sont en train d'être faits pour pouvoir trouver, disons, un vaccin pour le... Mais ce n'est pas encore ça. On attend toujours. On attend toujours. Donc, il va falloir que chacun mette du sien pour que nous puissions continuer à vivre librement. La preuve, nous, le personnel de santé, chaque jour au boulot, nous avons nos masques que le gouvernement nous donne. Et le comité national de gestion, nous avons deux masques par jour. Lorsque je sors de ma maison, j'ai mon masque. Je travaille jusqu'à midi. Lorsque j'ai envie de manger, je change de masque. Je mange et je change. Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas voir ce que fait le personnel de santé pour pouvoir suivre ça, afin que, bon, même si tu as la maladie, si tu as le virus et que tu ne fais pas la maladie, que tu puisses... guérir toi seul et ne pas contaminer les autres. Puisque sans traitement aussi, on peut guérir. C'est le but. On veut limiter la propagation. Donc, on ne sait pas le mal qu'on fait à nos proches lorsque... On ne porte pas le masque. On ne porte pas le masque. Et justement, en parlant bien sûr de ce port du masque qui est devenu obligatoire au Togo depuis un moment... On assistait là à des sanctions au jour le jour, mais il y a un fait un peu contraste qui retient l'attention, c'est que quand les forces anti-pandémie interpellent quelqu'un, on les regroupe en nombre et ils sont agglutinés ensemble et d'autres se chamaillent entre eux, ils se côtoient
Est-ce que c'est vraiment la meilleure façon aussi? Il faut revoir aussi cette façon de... C'est vrai, ils doivent gérer au cas par cas. J'ai assisté à un truc du genre dans certains marchés, hein. Ils ne doivent pas les regrouper, d'autant plus qu'ils sont en nombre. On dit non, restez là-bas. Et puis, il y a certains jeunes là qui essaient de faire le contrôle plus ou moins strict. Et on se dit, bon, oui, il faut interpeller, il faut sanctionner. Mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de voir autrement? Ce n'est pas peut-être le consigne qui leur a été donné. Voilà. C'est dans l'application des mesures qu'ils oublient. En voulant faire appliquer. Parce que je sais que nulle part le colonel Amana n'a dit de les regrouper. De les regrouper. Ces gens-là, non. Oui, oui. Le général Yark non plus. C'est et ça. Le commandant direct même qui est devant non plus. Mais quand vous allez. Il vous est arrivé de passer. Il y a un lieu à Lomé très souvent. Quand vous allez vers la foie là, le rond-point, il y a au niveau de Sagboville, là, quand on interpelle les gens, il y a un terre-plein central là, qui est un peu large, là, on agglutine les gens là-bas. Là, c'est pas mais bien. Des fois, on se dit, mais d'autre part aussi, à Lomé, j'ai assisté à plus d'une fois, je me dis, mais ça aussi peut être... Une source de contamination. Une source de contamination. Effectivement. Si certains nous écoutent, oui, ou bien il va falloir qu'ils revoient leur système. Leur manière de faire, ce n'est pas les consignes qui leur ont été données. Du tout, pas du tout. Pas du tout les consignes là. Donc, au cas par cas, ils n'ont pas besoin. Je pense que c'est le fait peut-être de négocier. Il n'y a pas question de négocier. Nous avons pris tout le temps pour sensibiliser les gens, pour que les gens portent les masques. Le gouvernement a pris tout le temps. S'il est arrivé à prendre ces mesures, dissuasif, c'est parce que la sensibilisation a duré longtemps et que le constat... Il faut passer à la sanction. Il faut passer à la sanction. Mais les forces de l'ordre doivent, disons... Oh, ils le font déjà bien, mais là, il faut savoir essayer de rectifier faire, ces petits couacs-là. Il faut rectifier, oui. Parce que même aussi dans les marchés aussi, quand on interpelle quelqu'un, on lui tient la main, on le tire pas si il y a les agents de sécurité là aussi. Finalement, eux-mêmes, ils vont pas. Et je me dis, mais attention, messieurs, votre vie est en danger. C'est vrai. Apparemment, les sensibilisations aussi au niveau des marchés, ça a un peu baissé. Ça a un peu baissé. On va faire comme les enseignants, ne pas cesser de parler. On va toujours continuer. Tant que le virus circule, nous devons continuer par sensibiliser. C'est fatigant, cependant. C'est le lieu de temps en temps. L'homme étant ce qu'il est, il faut toujours continuer par répéter. À force de répéter, ça va... Ce que vous avez fait, ce que vous avez soulevé tout de suite, c'est une bonne chose. Vous l'avez soulevé non pas pour dire mauvais, des forces de l'ordre, mais c'est juste non, c'est des gens qui font leur boulot. Pour les amener... Moi-même aussi, j'ai été interpellé. On dit, monsieur, bon, voilà, il dit... Voilà, je me suis expliqué, on dit, bon, OK. Vous remettez bien votre masque au niveau du nez, et puis, bon, voilà. Je ne cherche pas à discuter. On m'arrête, je sais que je suis en infraction. Oui. Je donne ce que je dois. Si, et ça passe. Et puis, je passe. Et non, on ne doit pas... Mais le fait même de mettre le masque... Au niveau du menton, ce n'est pas ça, bien là. Du tout. Si c'est pas, je me dis, bon, ça aussi, ça peut être bien. Aussi... une source de contamination. Quand vous êtes déjà un cas contaminé, vous touchez plusieurs fois. Ah oui. Et vous allez encore vous réinfecter. Il vaut mieux l'enlever carrément. Si vous avez envie de... Vous enlever, payer 3 000, ça peut faire quelque chose, hein, pour le pays. N'est-ce pas? Oui, ça peut... Ça va aider. Payer au moins... ça va nous aider à... L'hydroxychloroquine pour traiter au moins patient. D'autres masques. Oui. Le patient. Je pense que c'est... Si tu es en infraction, il faut accepter que tu es en faute. Et tu payes et tu pars. Si tu n'en as pas, là, tu peux négocier. Mais tu négocies, mais en restant, en gardant la distance... les forces de l'ordre, ils vont comprendre aussi. Nous allons de temps en temps leur parler. Nous avons à nos côtés certaines forces.
Entre-temps, ce sont eux qui m'accompagnent des fois le soir, hein, quand je rentre tard dans la nuit. Donc, on est ensemble. Nous allons leur parler pour qu'ils fassent... Il y a des descentes qui sont faites, ça et là, là et les nuits, à certains points, oui. Même au niveau de certains bars il aussi. Il faut leur rappeler, parce qu'eux aussi, ils sont ils sont aussi fatigués, ils ont une famille aussi. N'est-ce pas, ils ont des familles. Avec cette pandémie-là, moi, je me dis, ils ont tellement fait cette année. Hein, on est dans le 8e mois, ils ont tellement travaillé cette année. Hein, vous savez pourquoi? Oui, non. Vous savez pas? 8e mois. On est dans le 8e mois du pays, de l'année, mais ils ont beaucoup travaillé, visiblement, à mon humble avis, parce qu'il y avait la pré-campagne au Togo. Ah oui, il y avait la campagne présidentielle. Oui. À peine on sortait de la campagne. Ils sont toujours là. Et après, c'est Covid, ils sont toujours là. Ils sont félicités. Nous devons je les féliciter. Je me dis, mais ils en ont encore pour... Longtemps. Quelqu'un me dit, mais il faut qu'on commence par cotiser pour eux, petit à petit. Vraiment. Mais des fois, on voit d'autres qui sont très fatigués, mais ils n'ont pas encouragés. Le choix. Oui, oui. Ils font du bon boulot, mais il y a certaines, peut-être là, il faut quand même essayer de revoir les façons d'interpeller aussi les gens. Et puis comme c'est l'étape de la sanction, sanctionner avec beaucoup plus de tact et de au niveau de la santé, c'est la première fois que nous avons vraiment travaillé ensemble avec les forces de l'ordre. En tout cas, dans mon équipe, c'était très bien. On a toujours collaboré, il y a une bonne ambiance. Ça marche bien. Parfait. On parle aussi de la contamination à l'intérieur du pays. Ça augmente, entre-temps, on parle de la centrale, région centrale, et puis de la CARA, et ça fait craindre. Il faut noter qu'à l'intérieur du pays, les gens ne respectent rien du tout. Malgré la sensibilisation des autorités, ils ne respectent rien du tout. Ils disent que cette maladie-là, c'est les gens de la ville qui ils ne respectent rien du tout. Donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait assez de cas. Et vous savez aussi qu'à l'intérieur du pays, nous aimons vivre en famille. Vivre en famille surtout, hein, quand quelqu'un vient de quelque part, on dit « Ah, grand frère, il est là, on l'embrasse, on le tâte voir, il est rentré, COVID, voilà. » Ça, c'est pour les citadins. Oh, la personne qui vient, que tu embrasses là, elle peut être porteur. C'est ça qui fait que le nombre de cas augmente à l'intérieur du pays. Il faut noter aussi qu'il y a des voyageurs qui ont quitté d'autres pays frontaliers et qui passent à travers les mailles. Oui. Et qu'on n'arrive pas à dépister. Comme la maladie fait, disons, en moyenne 14 jours, de 2 à 14 jours avant d'être chose. Donc, au moment du passage, excusez-moi, la personne peut être négative. Et après tout, on dépiste. On trouve que la personne est positive. Alors qu'elle a déjà disséminé la maladie tout autour. C'est ce qui a fait vraiment augmenter certains cas à l'intérieur du pays. Donc, il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en jeu dans ça. Parfait. C'est l'occasion aussi pour saluer certains confrères et consoeurs à l'intérieur du pays. Je veux nommer à Radio Azur. C'est bien ça, hein, à Agnès. Je ne sais pas. Agnès, il y a une radio là-bas, Agnès, où il y a une jeune dame là qui fait un boulot pas possible. Okay. Elle est la directrice, mais à Tana. Depuis Agnès, à Tchaoudjo aussi, il y a une radio aussi qui sensibilise en langue locale. Okay. Et puis à Kpalime aussi, hein. Quand vous allez à Kpalime, il y a beaucoup de dames, n'est-ce pas? Oui. Les gens, quand vous portez le masque, c'est comme si vous êtes... Si vous tombez du ciel. Oui, on sait que vous êtes nouvellement venu dans la ville. L'occasion de saluer les radios qui travaillent aussi dans ces localités-là, que ce soit à Kpalime, Radio Planète Plus, VGK FM, Radio Maria, Zion, oui. Et puis d'autres radios... Hein, qui font du bon boulot avec les chefs quartiers, villages et autres là. Docteur, c'est déjà la fin de l'émission. Merci. Nous saluons tout le monde. Et nous ne nous fatiguons pas de respecter les mesures barrières. Il y va de notre santé et de la santé de nos familles. Et nous saluons tout le monde et nos dirigeants et vous-même qui nous aidez chaque jour. Merci beaucoup. Des fois, c'est un peu harassant, mais c'est comme vous le faites
Vous faites le serment d'Hippocrate, c'est ça? Oui. Oui, nous aussi, on le fait à notre manière sur le micro. Merci. Donc, on est obligé à servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Merci à vous, mesdames, messieurs, un peu partout et à Pagouda. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bon suite de nos programmes à vous tous et à très vite.